Amina. Je voulais dire merci à papa et maman. Nilipenda kuwapikia mama na baba asante. Merci encore pour l'opportunité que vous me donnez. Mara tena asante kwa sababu ya wakati mnanipatia. J'apprécie votre amour. Nafurahia na kupenda mapendo yenu. Quand mon épouse m'a appelé, wakati mke wangu aliniita, je te dis que les parents m'ont gâté. Nilimwambia kwamba bazazi huko barikiwa na nipa vyote. Amina. Alors je suis très content d'être ici ce soir. Nafurahi sana kupatikana hapa magharibi ya leo. J'aimerais bien que vous prêtiez vraiment attention. Napenda kabisa kabisa ukebe ange. À ce que je vais dire. Kwa kienye nitasema. Nous tous, sisi sote, nous sommes des étudiants. Tuko wanafunzi. Auprès de lui. Sisi wote pamoja tuko wanafunzi. Nous apprenons. Tuko najifunza. Jour après jour. Siku kwa siku. Le jour que tu arrêteras d'apprendre. Siku ile utaachaka kujifunza. Tu vas descendre. Utashuka chini. Le jour que tu croiras que tu connais tout, siku tazania kwamba wewe ndio unajua vyote, tu vas piquer. Jo pale utachomba. Reste gardé dans ton esprit. Na chunga ndani ya mawazo yako. Que tu es un disciple. Ya kwamba uko mwanafunzi. Un étudiant. Mwanafunzi. Qui apprend. Eko najifunza. Moi j'aime apprendre. Napendaka sana kujifunza. Je peux apprendre de toi. Naweza kujifunza vya kutokea kwako. Je peux apprendre de n'importe qui. Naweza kujifunza kwa kutokea mtu yeyote. C'est très important. Ni ya muhimu. De garder l'esprit ouvert. Kuchunga ukwe na roho wazi. Vous n'êtes pas ici parce que vous n'avez rien à faire. Auna hapa njoo auna na kia kufanya. Non. Hapana. Vous êtes les responsables. Muko benye madaraka. Des personnes respectables. Kila mtu yuko mwenye kuheshimiwa. Vous avez coupé votre emploi du temps. Uliacha biawe kufanya. Pour être ici. Tu as kukuya hapa. Vous êtes des personnes, des hommes et des femmes à féliciter. Na muko banaume na banamuke bantu bakusifu. Et même Dieu te félicite. Na Mungu yeye mwenyewe yuko nakusifu. Dieu te remercie. Mungu anakupikia asante. C'est très important de ni ya, le savoir. Ni ya Dieu, Mungu, aime. Ya kwanza na pele. Un jour, on est venu voir Jésus. On a joué siku moja baliko kumuona Yesu. On lui a dit. Bali muambia. Tes frères. Banduku yako. Tes sœurs. Na badada yako. Ta mère. Na ata mama yako. Sont dehors. Beko inje. Il te cherche. Beko na kutafuta. La Bible dit que Jésus promena le regard. Il vient nasema Yesu akaangalia kuume na kushoto. Il pose la question. Anauliza ulizo. Qui est mon frère? Ni ndugu yangu ni nani? Qui est ma mère? Mama yangu ni nani? Qui est ma sœur? Dada yangu ni nani? Elle dit c'est vous. Anasema ni mwe hapa mko hapa. Qui écoutez? Mwe bali mko nasikiliza. Ma parole. Sauti yangu. Écoutez bien la réponse. Na hata sikia. Il dit, qui est mon frère? Anasema ndugu qui yangu est ma mère? Mama yangu ni nani? Qui est ma sœur? Dada yangu ni nani? C'est vous. Ni mweye. Qui écoutez la parole? Benye kusikia neno. Et il a dit quelque chose de pareil. Na alisema kitu kimoja kia matata. Tadie Marthe, Marthe. Anasema Marco na Martha. Marie, Maria. A choisi na alichagua la bonne part. Sehemu nzuri. Qui ne lui sera jamais ôté. Ile hakuna mtu atamunyanganyaka. Vous, mweye, vous avez choisi la bonne part. Unachagua sehemu nzuri. La parole que vous écoutez neno mnaisikia va tracer etapasula votre avenir. Masiku yako ya kesho. La parole neno que tu écoutes ilo konasikia va tracer etapasula ton avenir. Na masiku yenyewe utakuwa kesho. Juu ya nini? C'est parce que ni juu Dieu Mungu a créé aliumba toute chose kila kitu par sa parole. Kwa neno. La parole de Dieu, neno la Mungu, elle est créatrice. Ni inayo iko naumba. Quand la parole de Dieu trouve un cœur, wakati neno la Mungu inapata moyo, elle apporte le fruit. Inaleta tunda. La Bible dit, Biblia nasema, que Dieu promène son regard Mungu eko na angalilisha sur toute la planète Terre, dunia yote mzima, pour voir juu ya kuona un cœur moyo disponible. Yenye kuwa tayari. Et ce soir, na magharibi ya leo, ton cœur moyo wako est une bonne terre. Inakuwa udongo nzuri. Vous êtes la bonne terre. Woko udongo nzuri. Que la semence qui va être semée ile en toi mbegu itapandwa ndani yako puisse produire des fruits. Ipate kuzaa matunda. Oh, que ta vie explose. Maisha yako inenepe. Oh, que ta vie avance. Maisha yako isonge mbele. Au nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo ya Yesu. Vous savez, unajua, il y a des circonstances dans la vie. Kuna majira mu maisha. Quand on les affronte. Wakati unapambana nayo. Quand on vit, on traverse des situations. Wakati unaishi na kuishi mamambo. Un certain moment, il y a comme un certain découragement. Wakati ingine sa unapungukiwa.
on regarde de l'avenir, c'est comme si l'avenir n'a plus de sens. Tu regardes de ta vie, tu te dis, ah, mais je veux te dire quelque chose. Tant que tu es en vie, kama ungaliki muzima, il y a de l'avenir pour toi. Tant que tu respires, kama ungaliki napumua, il y a un avenir. Huko masiku za kesho. Je suis là pour te dire, niko hapa tu akukwambia, qu'il y a de l'avenir. Ya kwamba huko masiku ya kesho pour toi. Juu yako, mais ça va dépendre, na itategemea, la place na fazi que toi tu considères, ile wewe unaona, la parole. Neno, c'est pourquoi neno. Jésus disait na, ni vile Yesu alikuwa nasema, à tout ce qu'il écoutait, kwa wale wote walikuwa il terminait en disant que cela vous soit fait selon ta foi. E kufikie kufuatana na imani que cela te soit fait selon ta foi. Ndeke kufuatana na Jésus Christ n'a jamais dit que cela te soit fait selon ma foi. Yesu Kristo hayasema ke kutendeke kufuatana na imani yangu mimi Yesu. Il a dit que cela te soit fait. Alisema itendeke kwako selon ta foi. Kufuatana na imani yako. Ta foi dans quoi? Imani ndani ya nini? La foi dans imani ce qu'il dit. Ndani ya bienye yeye anasema. La foi dans ce qu'il dit. Imani mwa ile yeye anasema. Ton cas, wakati yako, n'est pas impossible. Haiwezekani, ina kusema haiwezekani. Ton cas, wakati mambo yako, n'est pas impossible. Haina sema haiwezekani. Parce que tout est possible. Kwa sababu yote inawezekana. Asili ki kwa yeyote anaamini. Amen. Amen. Père céleste, je vais te demander. Baba wa mbingu napenda nikuombe. De glorifier Jésus. Umtukuze Yesu. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Élève. Uinue. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Ce soir. Mangaribi ya leo. Accompli. Timiza. Ce que l'homme ne peut pas faire kufanya, en écoutant la parole, neno, Saint-Esprit opère tenda, par cette parole, neno, guérit les malades, wagonjwa, libère les captifs, wafungo, ouvre les yeux, macho, ouvre les oreilles, masikio, restaure les corps, mwini, trace un chemin njia, au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amina. Alors je veux partager avec vous quelques versets. Napenda tugawanye pamoja nani mashairi chache. Très important. Ya muhimu. Pour ceux qui aiment prendre note. Kwa bale banapenda kuandika. Le très important. Ya muhimu. De prendre le verset. Ya kuchukua mashairi. Amen. Amina. Un vrai disciple, on le reconnaît sur comment il prend. Mwanafunzi wa kweli utamuonea munamna ile kama banasema kwa anaandika. On voit la considération na que tu as. Na utaona heshima ya Mungu. Mes notes que j'avais pris en 82. Niko na mabuku yangu ya mu 82 na leo iko hako. J'ai mes notes. Niko na mabuku vyenye niliandika. 1982. Ya mu 82. Je les lis toujours. Na niko paka nayo. Mon pasteur a prêché. Na pastori wangu aliubiria. Et je connais jusqu'à présent de quoi il a parlé en 82. Anajua na leo ni bitu. 1982. Na ni bitu kani aliubiria ka mwezi wa pili mu 82. Je sais. Najua yo. Je veux vous parler, je peux vous parler même de ce qu'il a dit. Naweza kukuambia vile biote alisemaka. Il avait dit quelque chose. Alisemaka kitu kimoja. Tel qu'il est. Paka vile yeye est. Tel nous sommes. Jo vile na shitu iko. Sur cette terre. Hapa pa hii dunia. Et ça m'a marqué. Na ilisha kunibaki. Tel qu'il est. Paka vile yeye est. Dieu Mungu. Tel nous sommes. Jo vile na shitu iko. En 82. Mu 82. Et ça a pris une place dans mon cœur. Na ilisha kuwa nafasi yake ndani ya moyo. La Bible dit. Biblia nasema. Ne te borne pas d'écouter. Apana kuchoka kusikia. Mais mettez en pratique. Lakini weka katika tendo. Ce que tu écoutes. Bile bioto nasikiliza. Maria a dit aux disciples. Aliambia wanafunzi. Aux travailleurs qui étaient au mariage. Kwa banafanya kazi benye balikuwa natumika kundoa. Elle a dit quelque chose. Alisema kitu kimoja. Elle a dit. Alibambia. C'est vrai qu'il n'y a plus de vin. Ni kweli hakuna mvinyo. La fête est finie. Na ata karamu yenyewe haina tena mzuri. Écoutez. Lakini sikilizeni. Attendez. Muongojeeni. Tout ce que le maître dira. Kile kyote mwalimu atasema. Fais-le. Mukifanyeni. Tout ce qu'il dira, kile kyote ye atasema, tout ce qu'il vous dira de faire, kile kyote atamiomba mwe mufanye, fais-le. Mukifanyeni. Je vais vous dire quelque chose. Napenda nikuambie kitu kimoja. Tout ce que tu as besoin, yote ile unahitaji, c'est de faire, ni kufanya, ce que Dieu te demande, kile Mungu anakuomba, de faire, we kufanya. Faites, fanyeni, tout ce qu'il vous dira, bile biota tamiambia, de faire,
Le plus grand mystère, le plus grand secret pour avancer sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. Si la parole de Dieu te dit fais-le, okifanye. Et la suite, c'est le résultat. Ile ni mapato. La suite, ya fatayo, c'est les signes ni maalama, et les prodiges. Na ma, mi ya maishara. La suite, na ya fatayo, c'est la solution. Inakuwa ni jibu. Oui. Ndio. Ya la solution. Ni jibu. Ya la solution. Mjibu. J'étais en Normandie. Na ata nilikuwa ku Normandia. En France. Mu France. À 1h du matin. Na saa 1h ya. On m'a invité. Bali nyalika. Pour aller prier pour une dame. Tu as kwenda kuombea mama moja. On devrait lui couper la jambe. Na bali pasha kumkata mguu. La jambe était pourrie. Mguu ilikuwa inekuoza. Une belle femme. Mama mrembo. Et son mari Serge pleurait. Na ata bwana yake Serge alikuwa analia. Alors j'arrive. Na wakati nafika. Je regarde la jambe. Naangalia mguu. La jambe était pourrie d'ici jusque là. Mguu ilianza kuoza mpaka magoti na pu partout. Na hata kulikuwa vitu vilikuwa natoka. Dans deux jours on devrait amputer la jambe. Mosiku mbili balipasha kukata mguu. Au moment j'étais là. Na wakati nilifika pale. Je disais Seigneur. Nilisema Bwana. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Tufanye hapa nini? Et le Seigneur m'a dit. Na Bwana kaniambia. Ce que tu sais. Kile wewe unajua. Ce que tu crois. Kile wewe unaamini. Que je suis capable ya de faire. Niko na uwezo ya kutenda. Applique-le. Ukitende. Appliquez. Ukitende. Les amis. Barafiki. Nous croyons que les miracles peuvent s'opérer n'importe comment. Non. Tunaamini ya kwamba muujiza inaweza kutendeka kwa namna yote hapana muujiza. Inatendekaka. Quand tu appliques ce que Dieu dit. Wakati unatumia bile Mungu anasema. C'est pourquoi. Choko sababu. Faut connaître la parole. Ni kujua neno. Si tu ne connais pas la parole. Kama ujue neno. Tu vas appliquer quoi? Utatumia nini? Dieu. Mungu. Honore. Anaheshimu. Sa parole. Neno lake. Dieu Mungu respecte sa parole. Neno lake. Il veille sur sa anakesha parole ya neno lake. Pour l'accomplir. J'ai pris l'onction d'huile. Nilibeba mafuta. Je verse l'huile sur la jambe. Nilimwanga juu ya mguu. Parce que la Bible dit, kwa sababu ile inasema, si quelqu'un est malade, kama mtu yuko mgonjwa, qu'il trouve un ancien de l'église, atafute mzee wa kanisa na mzee wa kanisa, il fasse l'onction d'huile, atamwambia, et la prière de la foi. Atamwombea na maombi ya imani. Et j'ai mis l'onction d'huile. Et j'ai prié par la foi. J'ai commandé à l'agent. Je suis parti. Deux jours après, j'arrive à l'hôpital. Au moment où le médecin disait avant d'amputer la jambe, on na va regarder. On va faire le dernier examen. En faisant les examens, ils ont constaté Balitambua. La jambe Moku. Était comme la jambe d'un bébé. Elle rodia mugu sawa ya mtoto mchanga. Elle était guérie complètement. Aliponya ye ote. Toutes les plis ont disparu. Na pusa yote lipotea. Hier, je vous ai donné l'exemple de mon fils. Jana limipatia mfano ya mdo, ya mtoto yangu. Mais semble que je n'avais pas dit la suite. Na sikuseme yafuatayo. Quand le médecin a dit, quand j'ai dit au médecin, faites encore l'examen. Wakati nilimwambia mganga chunguze. Mbele ya kumpasula. Il m'a dit, monsieur. Aliniambia bwana. Tu vas douter de mon expérience. Unatafuta kunishakia bila nilifu. Je ne peux pas le faire. Siwezi kuifanya. Je dis, ok, allez-y. Nilisema ale pasula. Et tu verras que tu vas voir. Ils ont opéré pendant 4 heures. Arrivé à la place où la tumeur était, il n'y avait que des traces. La tumeur a disparu. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Dieu honore ta foi. C'est maintenant, sur la terre, que tu dois exercer ta foi. Tu dois exercer ta foi. Apprends à exercer ta foi. Kutumikisha imani yako. Moi, je fais du sport. Mimi nafanyaka sport. Très tôt le matin. Na asubuhi, je soulève le poids. Mina nyangulaka bya buzito. Je cours 5 km. Na pikaka mbio kwa makilometa 5. Je me discipline. Na jitabisha. Pour courir 5 km. Tu as kupika mbio makilometa 5. Mais regarde-moi. Unyangalie. Quand j'avais commencé. Wakati nilianzaka. Un jour, siku ingine, je voyais des gens courir. Niliona watu wako napika mbio. Et ils me dépassaient. Bo balikuwa ananipita. Alors que moi je courais. Mimi nilikuwa napika mbio. Mais eux ils me dépassaient. Lakini bo balikuwa ananipita. Je dis c'est quoi ça? Nilisema hii ni mambo kaya. Moi je cours. Mimi niko napika. Je cours. Na pika et je fais beaucoup d'efforts. Na fanya nguvu sana. Mais pourquoi il me dépasse? Pourquoi il me dépasse? Parce que nous tous nous courons. Écoute-moi bien. Unisikie mzuri. Ce que j'ai compris. Kile nilielewa.
C'est que l'effort que moi je fournissais au débit, kumuanzo, mes muscles n'étaient pas travaillés. Yango et j'étais facilement essoufflé. Na kwa wepesi nilikuwa na choka. Mais eux, lakini c'est bo, les personnes qui courent constamment. Jo bale bo balikuwa na kimbia, jo likuwa kazi yabo. Et leurs muscles s'est habitué. Na mishipa yao ilizoea. Au moment où je forçais, wakati le nilikuwa na kazi, et à force de faire le sport, osavile njo kala sisi ne kalaka yabo ya kila shiki, il ne force plus. Abakuwe na kazi tena kitu. Alors j'ai compris. Alafu nilielewa. La foi, imani, ressemble inafanana à un muscle na mushipa que tu dois entraîner. Ile unapasha kuzobelesha chaque jour. Kila siku. Si tu n'entraînes pas ta foi, kama uzobeleshe imani yako chaque jour, kila siku, ta foi ne va pas se développer. Imani yako haitakomala. Développe ta foi. Komalisha imani yako chaque jour. Kila siku. Exerce ta foi. Komalisha tumikisha imani yako dans de petites choses. Muvitu kidogo. Et petit à petit. Na kidogo kwa kidogo. Ta foi va grandir. Imani yako itakoma. Apprends à bénir ton repas. Na hata ujifunze kubariki chakula yako. Apprends à imposer les mains à tes enfants. Ujifunze et crois qu'ils ont reçu quelque chose. Exerce ta foi constamment. N'attendez pas un problème pour commencer à exercer ta foi. Beaucoup de personnes ont échoué parce qu'ils ont attendu des grands problèmes pour commencer à exercer leur foi. Et ils ont été déçus parce que ça n'a pas marché comme ils attendaient. Que cela ne soit pas ton cas. Exerce-toi chaque jour. Faites confiance à la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en action. Applique-toi sur la parole. Appliquez la parole. Et tu verras des résultats. Ce n'est pas au ciel qu'on verra le résultat. Aina kumbingu jo tutaishi mapato. C'est sur la terre. Mapato ni hapa dunia. On doit attendre le résultat. Jo tunapaswa kupokea mapato. Le résultat? Mapato c'est au quotidien. Ni ya kila siku. Amen. Amen. Un jour je parlais à la télévision aux Antilles. Siku moja ku Antilles nilikuwa naongea ku television. Sur le canal 10. Juu ya canal ku canal 10. Alors les gens me suivaient dans toute l'île. Bantu walikuwa wananifuata kwa kile kisanga kio. Il y avait une femme témoin de Jéhovah qui était chez elle. Kulikuwa mwanamke mmoja mshuhuda wa Yehova alikuwa kwake. Elle était en train de suivre ce qui se passait. Alikuwa anafuata bienyewe nilikuwa naongea kwa television. Mais elle était atteinte d'un cancer de sein. Alipatikana na kansa ya kuliziba. Son sein était jusqu'ici. Liziba yake ilishuka mpaka chini hapa. Elle était témoin de Jéhovah. Alikuwa mshuhuda wa Yehova. Elle m'a suivi ce que j'enseignais. Alikuwa anafuata mafundisho nilikuwa na puissance de Dieu. Juu ya uwezo wa Mungu. Capable de changer les choses. Ya uwezo ya kubadilisha vitu. Et finalement, à la fin de mon message, je voulais prier maintenant. Alors, je demandais à tous qui me suivaient de mettre la main là où ils souffraient. Alors, le garçon, le fils de cette dame, a dit à sa maman, Maman, posez la main. Weka mkono. Parce que j'avais demandé que ceux qui étaient loin, kwa sababu niliomba benye balikuwa mbali, touchent la télévision. Baguse kionesha mbali. Qui touche l'appareil. Baguse ile kionesha mbali. Alors le garçon de 42 ans. Japo ule kijana mwanaume. A dit à sa maman. Aliambia mama yake. Mama. Touche la télévision. Gusa television. Et puis on verra. Na tutaona. Cet imposteur. Huyo mtu muongo huyu. Cet imposteur. Huyo muongo huyu. Touche. Gusa. Alors la maman. Mama. Elle regarde de gauche à droite. Anaangalia kushoto na kuume. Se rend compte même dans son appartement. Ata mu nyumba yake. Elle avait peur. Alikuwa na boko. Elle regarde de gauche à droite. Anaangalia kuume na kushoto. Elle se dit ici n'y a personne. Anasema humu hamuna mtu mwingine. Alors le fils lui a dit touche. Sasa mtoto yake alimwambia mama gusa. Elle touche la télé. Anagusa television. Alors moi j'étais en train de prier. Mimi nilikuwa naomba. En disant Seigneur. Nilisema Bwana. Moi je fais ma part. Mimi nafanya kile nilipaswa. J'ai parlé de toi. Niliongea juu yako. J'ai enseigné ta parole. Nilifundisha neno lako. Maintenant. Sasa. Ce que moi je ne peux pas faire. Kile mimi siwezi kufanya. Toi tu le fais. Wewe utakifanya. C'est que moi je suis limité. Pale niko na mupaka. Toi tu le fais. Wewe unajua unaweza kufanya. Toi tu n'es pas bloqué. Wewe hauzuizwi na kitu. Par la distance. Na urefu. Au moment où j'étais en train de prier. Wakati nilikuwa naomba. La dame a été propulsée à 3 mètres. Mama ule alitupwa chini kwa metero 3. De sa poste téléviseur. Na penye pale kwa télévision. Elle a été propulsée. Ali
tupwa chini. Elle est tombée à terre. Alianguka chini. Quand elle s'est levée, wakati alinamuka, le saint qui était ici liziba ile ilikuwa mrefu s'est remis ici. Ile rodi ya voka waida. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un serpent qui lâche sa peau. Shia ona tia jua kama ushako onaka wakati nyoka anatoka kama ngozi. Souvent le serpent quand il veut changer de peau, nyoka wakati anataka kutoka ngozi, il enlève sa peau. Anatosha ngozi. Son sein lakini liziba brille iliungua jusqu'à se remettre ici. Paka na kurudia kwa kawaida. Le soir, mangaribi, j'étais en train de prêcher dans une grande salle. Nilikuwa nahubiri mchumba mnene. Alors je vois la salle bousculée. Naona bantu beko na wayawaya. J'ai demandé à mon interprète. Niliomuuliza mtafsiri. Pourquoi il y a des mouvements là? Kwa sababu gani kule watu wanatenga-tenga? Pourquoi des mouvements? Kwa sababu gani watu wanatenga-tenga? Il y a une dame. Anasema kuna mama mmoja. Elle veut à tout prix te parler. Anapenda paka kuzungumza. Elle veut venir devant. Anapenda kukaribia kumbele. Alors moi j'ai demandé. Na nikauliza. Est-ce qu'elle a un pistolet? Eko na bunduki? Elle dit non. Asema hapana. Laissez-la venir. Umwacheni akuje. Alors elle est venue. Alikuja. Elle est venue là devant. Alikuja mbele. Avant de lui donner le micro. Mbele kumpatia. Elle a commencé à enlever sa chemise. Anaanza kutosha nguo yake ya juu. Elle a crié. Alilalamika. Ton Jésus. Yesu wako. Ton Jésus. Yesu wako. M'a guéri. Ananiponyesha. Ton Jésus. Yesu wako. M'a guéri. Ananiponyesha. Ton Jésus. Yesu wako. M'a guéri. Ananiponyesha. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui, Léo, quand vous arrivez aux Antilles, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, quand tu vois une femme indienne dans une grande réunion qui danse, c'est elle. À toutes les réunions, elle loue Dieu, elle danse parce qu'elle sait ce que Jésus a fait. Elle a donné sa vie à Jésus. Ali muamini Yesu. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce que le nom d'une religion ne juu jina ya dini haiwezi kuokoa aiokoake. Mais Jésus. Lakini Yesu. Sauve. Yeye anaokoa. Jésus. Yesu. Guéri. Anaponyeshwa. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mtu mmoja aseme amina mzuri. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mtu mmoja aseme amina enekueneana. Les jours suivants, siku ya fatai, on m'a invité bari nyalika, dans la maison d'un grand homme d'affaires. Monyumba ya mtu mfanya biashara mkubwa. Monsieur Oulier. Monsieur Bwana Oulier. Alors j'arrive. Nafika. Je trouve une dame. Nakuta mama qui est venue de l'autre île. Alitokea ukisanga kingi. Le Désirat. Ya Désirat. Ce sont des petites îles qui sont en plein océan. Ni tubisanga bisanga tunakuwa mbara. Et cette dame, on lui a donné 4 jours. Na ule mama balimwachia masiku 4. Pour mourir. Juu ya yeye kufa. L'hôpital l'a fait sortir de l'hôpital. Hospital ilimtosha kule. Alors l'homme d'affaires. Na ule bwana mfanya biashara. Anamualika. Parce qu'il faisait partie de membres de l'église. Sababu, alikuwa mwanamembo wa kanisa. Alors j'arrive. Nafika. Je trouve la dame. Nakutanisha ule mama. Elle portait une robe. Alikuwa na kanzu. Elle était couverte sous une couverture. Alikuwa mwenye kufunikwa na blanketi. Mais elle dégageait une odeur. Na alikuwa natosha harufu. Elle n'avait plus la chair. Akukuwa tena na mwili. Elle avait seulement la peau. Alikuwa tu na ngozi pia tena na mifupa. Je regardais. Na angalia. Je dis, oh Dieu. Nasema Mungu. Si tu as permis. Kama Mungu aliruhusu. Comme invite ici. Anialike hapa. Ça veut dire que toi tu m'as précédé. Nikusema wewe Mungu ulisha kunitangulia mwenye nyumba, ulinitangulia hapo. Ce sont des cas impossibles. Hii ni mambo ile haiwezekani. Dans la pensée de l'homme. Mawazo ya mtu. Mais lakini à toi, kwako wewe, tout est possible. Yote binawezekana. Alors j'ai pris l'huile. Nilibeba mafuta. J'ai imposé les mains. Nilimwekea mikono. Et quand j'étais en train de prier, wakati nilikuwa na omba, j'entendais une voix me dire. Nilisikia sauti inaniambia. Donne lui un yogurt. Umpatie yaourt. Je dis vous. Nasema Je demandais aux dames. Namuuliza dada. Est-ce qu'elle mange encore? Engaliki nakula na leo. Dit, non, anasema yeye lwake akulake tena. Mais vous savez? Unajua. Dieu parle de plusieurs manières. Mungu anasumuzaka na mtu manamna ya kuachana. Faut développer une relation avec Dieu. Inafai kuwa na ushirika ya juu pamoja na Mungu. Alors je demande à la dame de me donner un yogurt. Naomba kwa dada nipatie yogurt. J'ouvre la bouche de cette dame. Nafungula kinywa kya ule mama. Je commence à mettre moi-même petit à petit. Naanza kumwangia amo kidogo kidogo. Et Dieu m'a dit lève là. Na Mungu ananiambia usimame. Je l'ai mis sur mes corps. Ses pieds bandés. Le cancer l'a détruit depuis longtemps. Et j'ai posé ses pieds à terre. Et je lui ai dit, ma soeur, on va marcher. Mes amis, il fallait voir le cœur battre. Et il faut qu'on ait roi ya bantu ilikuwa na gonga ya bale bote balikuwa pale. Poser le premier pas. Na aliweka mguu ya kwanza. Deuxième pas. Ya pili. Troisième pas. Ya tatu. Je l'ai laissé partir.
Elle est partie en Titiba. Elle est partie. Elle a pris la lyre. Elle est revenue. Complètement guérie. C'était un mercredi. Les dimanches, elle est venue à l'église. Elle était bien habillée. Elle marchait. 8 mois après, je suis retourné pour une autre croisade. J'étais dans une grande amphithéâtre. Et je me préparais de traverser le couloir. Je vois une personne qui me prend en arrière. Et je regarde. C'est une dame. Je dis, hey, si maman Suzy, mon épouse, te voit. Alors je retourne. Elle me dit, je suis la fantôme. Quand je regarde la dame, elle était costaud. Elle dit, c'est moi qui a été guéri à Saint-François. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Je crois que ce soir, que la main de Dieu te touche. Que quelle que soit la situation, que le Dieu, le Père de Jésus, est dans sa main, dans cet auditoire. Lui qui connaît les problèmes de chacun, qu'il vient à ton secours. Il dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Un jour, à Bruxelles, j'étais en train de prêcher. Et finalement, il y avait un musulman de l'Arabie Saoudite. Son frère lui a amené à la croisade. Il est un homme d'affaires de l'Arabie Saoudite. Et on l'a mis sur une chaise roulante là. Au moment où j'étais en train de prêcher, on amène encore une dame rwandaise qu'on a évacuée sanitairement. On l'a pris de l'avion, on l'a amené là à côté du strade. Elle était sur son lit. Alors j'étais en train de prêcher. Et je disais comme d'habitude que Jésus est ici. Les amis, cette réunion, c'est un mandat de Dieu. Votre pasteur a reçu de la part de Dieu que Dieu veut faire quelque chose. Vous n'êtes pas ici par hasard. Elle était alité sur son lit. De l'avion jusque-là. Le monsieur de l'Arabie Saoudite était là. Il était en train de prêcher. Le Seigneur me dit, va toucher la dame. Alors je descends les escaliers. Je touche la dame. Je dis, madame, Jésus t'aime. Et il veut te libérer. Je la soulève. Elle s'est levée. Elle a couru. Sa fille qui l'a amenée s'est jetée à terre. Complètement guérie. Je m'approche chez le monsieur le musulman. Je dis, monsieur, tu as vu ce que Jésus-Christ a fait? Je crois qu'il est capable de le faire pour toi. Alors je me suis approché. Justement, au moment où je voulais imposer les mains, le Seigneur me dit, retire ta main. Je retire ma main. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, dis-lui que dans 2 semaines, il s'élèvera et il marchera. 2 semaines, jour pour jour, il s'est levé, il a marché. Dernièrement, j'étais en train de prêcher en Belgique. Je vois le frère qui l'a amené, il était dans la salle. Au moment où j'ai donné le témoignage, il vient me voir. Il a dit, c'est moi qui ai amené mon frère musulman de l'Arabie Saoudite. 2 semaines. Jour pour jour, il s'est levé de sa chaise roulante. Il a marché. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je dis, Dieu nous aime. Et le miracle, c'est la publicité de Dieu. Le miracle, c'est la publicité de Dieu. Le miracle, c'est le surnaturel.
La Bible dit Biblia nasema, qu'il n'a pas changé. Aya badirika. Il est le même. Eko sawa sawa. Hier, jana, aujourd'hui, leo, et pour na hata milele. Il est le même. Mpendwa. Il est le même. Mpendwa. La parole de Dieu Eko sawa est capable neno la Mungu de changer ya les événements de ta vie. Ma mambo yote ya maisha une femme yako. Était en Allemagne. Muke moja alikuwa kuincha elle kingereza. Me suivait sur une cassette video, radio. Alikuwa ananifuata ku ganda. Cassette audio. Paganda ya sauti tu. Tout temps. Dorotan. Elle n'avait pas d'enfant. Akukua na batoto. Les parents de son mari bazazi ya bwana yake ont décidé de la mettre dehors. Balibeba mpango ya kumfukuza. Alors elle est en train d'écouter mon message. Alikuwa anafuata message. Si tout est possible à celui qui croit. Juu ya kishina yote inawezekana kwa yote anaamini. Le premier jour. Alibeba deuxième jour. Ya pili. Troisième jour. Ya tatu. Quatrième jour. Ya ine. Elle s'est enfermée. Alijifungia. Elle a jeûné. Alifunga une journée. Siku moja. Elle a continué d'écouter. Aliendelea na kusikia. Avec son mari. Na bwana yake. La semaine suivante, Juma ya fatayo, après 12 ans, kisha miaka makumi mbili, elle est tombée en grossesse. Alichukua mimba. On ne lui a pas imposé les mains. Aba kumutilie mikono. La parole de Dieu neno la Mungu est illimitée. Aina na mupaka. Ce n'est pas un homme qui guérit. Aina mutu tu anaponeshaka mwingine. Mais c'est Jésus. Lakini ni parce Yesu. Que Jésus, kwa sababu Yesu, il est la parole ye de Dieu. Neno la Mungu. Il est la parole. Eko neno. Alors c'est en train de prêcher à Anvers. Nilikuwa nahubiri ku Anvers. Une dame mama moja vient avec deux bébés. Anakuwa na batoto bachanga bawili. Il vient. Anakuja. Et dit regarde tes bébés, je dis oh oh madame bachanga bako. Mimi nasema eh hey, shi mama tulizana kwa. Mes bébés. Batoto yangu mimi. Ce ne sont pas mes bébés. Ni batoto yangu. Oui, c'était bébé. Anasema ni batoto yako. Mimi nasema mie. Je dis oh si ma femme Suzy était là. Mimi nasema kama bibi yangu alikuwa huko leo. Elle m'a dit ananyambi. J'ai écouté tes messages. Nilikuwa nasikia mijumbe yako. Je vis en Allemagne. Niko naishi kwa Allemagne. Je vis en Allemagne. Niko kwa Allemagne. Et ton Dieu. Na Mungu wako. Ton Jésus. Yesu wako. Que tu as prêché. Que tout était possible. Na yote yawezekana. Quelques jours après, kisha je suis chache. Tombé en grossesse après 12 ans. Kisha miaka makumi mbili. Elle est tombée en grossesse. Alichukua mimba. Des jumelles. Alichukua mapacha banamke. Mapacha. Un jour, siku ingine, à Paris, ku Paris, à Paris, ku Paris, je sortais du métro. Nilikuwa natoka mule mashua. Je sortais du métro. Nilikuwa natoka mashua. Je rencontre un monsieur. Nakutana na bwana moja. Il me pose la question. Ananiuliza ulizo. Il a dit monsieur. Anasema bwana. Est-ce que tu connais un marabout qui est quelque part? Ulisha kujua kwa mfumo hapa karibu. Je dis ah. Mimi nasema eh. Tu cherches un marabout? Uko natafuta mfumo. Il dit oui. Anasema ndio niko natafuta mfumo. Comme je t'ai vu. Comme je t'ai vu passer, je croyais que tu connais un marabout ici. Je dis monsieur, tu veux voir un marabout? Il dit oui. On m'a dit qu'il y a un grand marabout ici. Alors je souris. Je dis wow. Yo. Quelle grâce. Il dit viens. Namwambia kuja. Est-ce qu'on peut se mettre à côté de tunaweza kuikala kumpembeni hapa? Je vais te parler. Nitakuongea na wewe. Hadi pourquoi tu veux chercher un marabout? Anasema namuuliza je ni uko natafuta. Hadi monsieur. Anasema bwana. Ça fait 8 ans. Huko miaka 8. Je me suis marié. Nilioa. On n'a pas de bébé. Hatuna batoto. On vit ici à Paris. Tuko hapa ku Paris. Je vis chez quelqu'un avec ma femme. Niko naishi kwa mtu mwingine na bibi yangu. Troisièmement. Na hata kia tatu. On n'a pas d'emploi. Hatuna na kazi. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Nasema unamwamini Mungu? Est-ce que crois-tu en Jésus? Unamwamini Yesu? Il fait sortir un nouveau testament bleu. Anatosha agano jipya ya blue. Il dit, je crois. Anasema mimi naamini. Je dis, mais oh, tu crois? Mimi nasema unaamini. Mais qu'est-ce que tu veux chercher chez ce marabout? Kwa ule mfumo unatafuta kwenda kutafuta kwa nini? Et il m'a dit, akanyambia. Non. Hapana. Je veux voir le marabout. Napenda nionane na mfumo. Je dis, attends. Nasema ngoje. Moi je connais quelqu'un. Mimi najua mwenye. Qui est plus que marabout. Anashindia mfumo. Il m'a regardé. Ananyangali. Alors j'ai commencé à lui parler. Nikaanza kuongea naye juu ya Yesu. Au début, kumwanzo, il était un peu méfiant. Alikuwa sashi. Et finalement, je lui ai parlé. Ananikamwambia nikasumuza naye. J'ai prié pour lui. Nilimuombea. J'ai regardé, je dis si je le laisse ici. Nasema kama mimi namwachia. Il va chercher toujours. Mwisho ya yote paka mpate mfumo. Je l'ai pris. Nilimchukua. Je l'ai amené jusque dans le trou du métro. Nilimpeleka paka muntundu mule mashuwe na pitiaka. J'ai payé son transport. Na nililipa tikiti yake. J'ai payé les tickets. Nililipa tikiti. Je lui dis écoute. Nilimwambia ndugu siki. Je vais prêcher demain sur le rue Trévise. Na nita ubiri kesho ku rue Trévise. Amen ta femme. Ukue na bibi yako. Viens avec ta femme. Kuya na bibi yako. Et il est venu avec sa femme. Alikuwa na bibi yake. Mais quand j'ai regardé la fille de 28 ans. Wakati niliingia niliona ule mtoto mwanamke wa umri wa miaka 28 ans. Elle avait 48 ans. Alikuwa sa mzee mkubwa. Elle était usée. Alikuwa mwenye kuharibika. Elle buvait l'alcool. Alikuwa anatumia pombe. Elle était démolie.
à cause des soucis de la vie, à cause des soucis de sa situation. Alors quand j'ai terminé de prêcher, je dis ma fille, Dieu est capable de changer ta situation. Alors j'ai prié pour le deux. Une semaine après, elle est tombée en grossesse. Deuxième semaine, le mari a trouvé l'emploi. Ils ont trouvé une maison à Pont des Sèvres, un des quartiers les plus chics. La fois passée, quand elle m'a appelé, elle dit, pasteur, j'ai maintenant 4 enfants. Je lui dis, allez jusqu'à 19. C'est la récupération quand même. Écoute-moi bien. Je sentais dans mon esprit d'encourager quelqu'un ce soir avant que je vous donne des versets. Le mental d'un vainqueur. Le mental d'un vainqueur. Les amis, on n'est pas là pour parler n'importe quoi. Jésus est ici. Je ne sais pas où se trouve ta famille. Si tu es jama, yako eko wapi. Parfois tu es là. Sa zingine eko wapi. Mais ta famille est loin. Lakini jama yako beko mbali. Je vais te dire quelque chose. Napenda nikuambie kitu kimoja. Jésus Yesu n'est pas limité ana na mipaka par la distance. Kwa sababu kuna kuwa urefu. J'étais en train de prêcher à Charlotte aux États-Unis. Nilikuwa nahubiri ku Charlotte kwa États-Unis. C'était la première fois que j'arrive dans la ville. Jo mara yangu ya kwanza ya kufika mkuu. Au moment j'étais en train de parler de Jésus. Wakati nilikuwa naongea juu ya Yesu. Dans la foule. Mkatikati ya watu. Je reçois une parole. Nilipokea neno. Je dis à une fille. Nasema là au coin, kule kukona, je ne te connais pas, mais tu t'appelles Charlotte. Lakini unaitwa Charlotte. Lève-toi. Si mama, elle se lève. Akasimama. Elle dit viens. Nasema kuta. Je vois ton papa. Aona baba yako. Mura. Eko na Alome au Togo. Ulome kutogo. Elle m'a regardé. Alinyangalia. Elle a dit oui. Anasema ndio ni kweli. Je dis Dieu m'a montré. Nasema Mungu ananione. Devant tout le monde. Mbele ya watu wote. Je forme le numéro. Nasema fanya fanya appel à l'hôpital. Ku hospital. Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Elle a dit oui. Eko na mtu anasema. Forme le numéro. Ita ile number. Elle a formé le numéro. Aliita number. C'était à l'église du pasteur Reverend Chembo. Ilikuwa ku kanisa Reverend Chembo. Je dis appel. Nasema ita. Maintenant. Apa sasa. Elle appelle. Anaita. Devant toute la foule. Mbele ya watu wote. Sa sœur prend le téléphone. Dada yake anajibu kusimu. Elle dit c'est moi. Anasema ni mimi. À Charlotte. Au Charlotte. Il y a quelqu'un. Uko mtu. Je ne l'ai jamais vu. Si ya muonaka. Je ne connais pas. Simufahamu. Il a appelé mon nom. Ananiita kwa jina langu. Et il m'a parlé. Na ananiambia. Que mon papa était mort. Yangu ya kwamba iko nakufa. À Lomé. Kulomé. Je ne connais pas. Mimi simjue. Moi je suis togolais. Mie niko mzaliwa wa Togo. Yeye. Il vient du Canada. Anatokea Canada. Je ne connais pas. Simjue. Il me demande. Ananiuliza. De poser le téléphone sur son oreille. Aweke kulisikia yake foni. A posé le téléphone sur l'oreille de son papa. Aliweka foni kulisikia baba yake alikuwa mgonjwa karibu. Seigneur. Nasema Bwana. Tu ne peux pas montrer quelque chose. Hawezi kunionyesha kitu. Et t'arrêter là. Na kusimamia pale. Guéris-le au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Guéri sur place. Na anaponyeshwa pale pale. Il s'est levé. Akasimama. Complètement guéri. Na mwenye kuponyeshwa wote. Vous savez, unajua? Si Dieu kama Mungu est capable eko na uwezo de toucher quelqu'un ya kugusa mtu à des milliers de kilomètres. Kwa makilometa maelfu na maelfu. À plus forte raison. Sasa tutasema toi qui as quitté ta maison. Tu as wewe ulitoka kuko hapa. Je vais terminer sur ce témoignage. Dernièrement, je prêchais à Kinshasa. Il y avait au moins 7000 personnes. Et au moment où je parlais, je vois une rue avec le numéro 87. Je demande au pasteur. Pasteur, est-ce que cette rue-là existe? Ile barabara, iko wako? Et il m'a dit oui. Ananiambia ndio. Je lui ai envoyé des personnes. Nasema tuma kule batu. Aller au numéro 87. Unamba 87. Et qu'il prenne un jeune garçon de 22 ans. Babebe kijana mwanaume umri ya miaka 22. Il est enchaîné. Alishafungwa. C'est un fou. Ni mwenda bazimu. Et qu'on l'amène. Mumlete hapa. Mon ami. Rafiki. Quand le don du Saint-Esprit fonctionne, wakati zawadi ya Roho Mtakatifu iko natumika, ça peut être anormal. Binaweza kuwa sahabi wezikana. Dans la pensée humaine, mawazo ya mtu, ça a l'air d'être anormal. Inaonekana sani bitu abiwezikane. Je vais vous dire quelque chose. Nakwambia kitu kimoja. Que notre Dieu est plus puissant. Mungu wetu wa kuwa ni wa uwezo sana. Toutes les forces de l'enfer. Iko nguvu yote ya adeze.
Alors quand je dis ça, c'était devant 7000 personnes. Et le diable me disait, et si ce n'est pas vrai, ta réputation, ça a commencé à travailler dans la tête. Parce que c'était une parole de connaissance. Et mon cœur battait. J'attendais. 45 minutes après, je vois derrière. On bouge la main. On dit, pasteur, le fou est là. Oh mon ami, je n'avais plus besoin d'avoir une grande foi. Les amis, le jeune garçon de 22 ans était complètement libéré. Et il a sursauté. Il a dit, je suis où? Si vous regardez sur ma site, vous allez voir ce jeune garçon fou, enchaîné, libéré complètement. Je me suis dit, Seigneur, si la personne qui est un fou, mwenda bazimu, chez eux, kwabo kunyumba, ligoté, mwenye kufungwa kamba, mais tu l'aimes, lakini unamupenda, jusqu'à le connaître, mpaka na kumujua, tu l'as vu, ulimuona, et tu me donnes le message, na unanipatia mjumbe, Seigneur, Bwana, a plus forte raison ce qui tutasema sont là. Nini juu yaba banakuya kwako wewe. Dieu, Mungu, n'est pas limité, ana na mipaka, par la distance, na urefu ya Dieu, Mungu, n'est pas limité, atiliwe mipaka, par la durée de ta situation. Juu, kufatana na miaka ilibeba mambo yako nilisema Mungu, n'est pas limité, atiliwe mipaka, par la durée de ta situation. Juu, mambo yako naishi licha kubeba miaka mingi. Ce soir, mangaribi ya leo, ce que j'ai à te dire, kile niko nacho cha kukwambia. Les amis, barafiki, Papa Zachary, Papa Zachary ne peut pas être partout. Awezi kuwa ye fazi yote. Moi, mie, je ne peux pas être siwezi kuwa fazi yote. Toi, weye, tu ne peux pas être awezi partout. Kuwa fazi yote. Mais tous, lakini shibo, nous sommes une équipe. Na tunafunga, tunakuwa timu. Oh, je ne t'entends pas. Sikusikie. Tous, shibo, nous sommes une équipe. Tuko timu. Si vous comprenez, kama unaelewa, le principe, kanuni, que nous parlons, yenye tuko naongea, que je vais expliquer en quelques minutes. Ile nitafasiria madakika chache. Si tu comprends, ukielewa, si tu le comprends, kama unaelewa, si tu le comprends, kama unaielewa, là où moi je ne serai pas, pale mimi sitakuwa hapo, là où le pasteur ne sera pas, pale baba yetu atakuwa hapo, toi tu seras, lakini wewe ndio utakuwa hapo. Jésus, Yesu, sera avec toi, atakuwa pamoja na wewe, va se servir de tes mains, atatumikisha mikono yako, va se servir de ta bouche, atatumia kinywa chako, va se servir de toi, atakutumia. Dieu, Mungu, Dieu, Mungu, va ouvrir tes yeux. Anapenda kufungula macho. Ne reste pas ordinaire. Apana kubakia sa muntu wote. Deviens extraordinaire. Kwa muntu wa ajabu. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Tu as coûté la vie de Jésus. Na weye ulisha onjo kuzima wa Yesu. Tu as coûté très cher. Weye uko na bei kali. Quand tu écoutes tous ces témoignages, tu me diras, ah, parce que toi tu es pasteur. Non, ça n'a rien à voir avec les titres. Ça a à voir, ni mambo, à connaître ya kujua, ce que je suis, kile uko, ce que tu es. Kile uko. J'ai déjà été malade à l'hôpital. Dans les années 87, à Paris, Paris, à l'hôpital Salpêtrière de Paris. Na kuile hôpital Salpêtrière ya Paris. J'étais hospitalisé 45 jours. Nilikuwa mhospitali masiku makumi na tano. J'avais une maladie héréditaire de mon père. Nilikuwa na magonjo ya kizazi ya baba yangu. 12 médecins sont venus me voir. Na hata wakati munganga alikuwa kuniona. Ils m'ont dit, bali niambia, Monsieur Fofi, Ndoko Fofi, Monsieur Fofi, Ndoko Fofi, nous sommes désolés. Si hatuna na cha kufanya. 12 médecins. Baganga 11 na 11 médecins. Waganga 11 na avec le professeur Dubois. Na hata na bale balimu ba ku du mois. Ils ont entouré mon lit. Ils ont fait sortir le verdict en disant, Monsieur, nous sommes désolés. Il n'y a pas d'espoir. C'est une maladie héréditaire. Nous ne pouvons rien. Et quand ils ont dit ça, je dis, écoutez, comme vous ne pouvez plus rien, j'ai pris mes bagages, je vais sortir. Ils ont dit, non, tu ne peux pas sortir.
unasema uwezi kutoka. Tu dois signer les papiers avant de sortir. Unapasha kutia saini pa makaratasi bila wewe. Tu kama unakufia mbarabara. Nous faut qu'on soit exemple. Shie atutakuwa na nkosa. Alors j'ai signé les papiers. Nilitia saini. Alors j'ai pris 20 minutes, je les ai parlé. Na nilichukua dakika 12 bote baganga niliongea nao. Dans la psychologie. Na hata kuna kwa ni njia mawazo muganga. Il dit j'aimerais bien l'écouter si ça peut l'aider. Na peweza kumsikia kama inaweza inaweza kumsaidia. En commettant cette erreur de m'écouter. Mokufanya nkosa ya kunishikia. Je les ai parlé de Jésus. Nilibaongea tu ya Yesu. Je les ai livré la marchandise. Na hata nilibapatia biashara. Ils étaient là, ils me regardaient. Alikuwa bote pale biko na nyangalia. J'ai plié mes bagages et je les ai salués. Je suis parti. Depuis novembre 87 jusqu'à maintenant, cette maladie n'a plus jamais touché mon corps. Complètement libéré. Moi, Fofi, qui vous parle. Ça veut dire, je sais, je crois que Jésus guérit toute maladie. Vous savez, il y a des moments où vous pouvez croire que nous, comme on prêche, qu'on n'a jamais été attaqué. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous tous. Le diable connaît notre adresse. Mais quand il arrive, il trouve Jésus en moi. Et je connais la vérité. Sur ce que Jésus a accompli. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité t'affranchira. C'est la vérité que tu connais. Que tu pratiques. Qui te libère. C'est la vérité que tu connais. La vérité que tu mets en pratique. Qui te libère. Le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Et le champ de bataille, c'est dans tes pensées. Il est capable d'annuler même ta foi. Ya kuvuta ta imani yako. Il est capable Eko na uwezo. De diminuer tes capacités. Ya kupunguza uwezaji yako. Par tes pensées. Kupitia mawazo yako wewe. Quel que soit Engawa. Le potentiel que tu peux avoir. Azino naweza kuwa mais quand le diable arrive à chapeauter tes pensées. Kuanza kuongoza mawazo yako. Quand le diable arrive de te faire douter. Ya kushakisha. Tombe à terre. Pale unaanguka chini. Et c'est pourquoi c'est un combat. Vous voyez pourquoi le Seigneur m'a mis ce message en disant explique clair. Toi, tu ne fonctionnes pas. Tu ne fonctionnes pas dans le naturel. Parce que tu es surnaturel. Tu es surnaturel. Je disais tu es surnaturel. Donnez-moi quelques temps, nous allons lire quelques versets. Hallelujah. Amen. Et j'aimerais bien te demander. Au moment où je suis en train de prêcher. Wakati niko na ubiri. Y a d'autres personnes? Batu bengine. La voix. La douleur disparaît. Je vois des colonnes vertébrales. Des disques de colonnes vertébrales se remettre au nom de Jésus. Je vois des anges se remettre au nom de Jésus. Je vois des épaules être restaurées complètement dans le nom de Jésus. Que l'oppression avant que je termine ce message te quitte. Inaondoka. Et que tu sors d'ici libéré, complètement libre. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Matthieu chapitre 6 verset 33. Matayo sita makumi tatu na tatu. Alors vous allez m'aider à le mettre rapidement. Moni saidie muweke sione shambari. Laisse-moi vous donner quelques versets, prenez note. Acheni nimpatie mashairi muyandike tu. 1 Jean 4 15. Yohane wa ine 15. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Wa Efeso sita 12. Alléluia. Amina. Je disais Alléluia. Amina. Hallelujah. Amina. Jean 3, 6. Yohane 3, 6.
Jean 4, 24. Yohane 4, 24. Jean 8, 23. Yohane 8, 23. Jean 3, 8. Yohane 4, 8. Alors prenez note. Je voulais vous donner tous les versets. Et je vais expliquer. Le mental. N'écoutez jamais. Ne prêtez pas attention à ce que le diable te dira. Au nom de Jésus. Lisez qu'est-ce qu'il dit. Matthieu 6, 30. Allez-y, qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Allez-y. Wekayo. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Kwa faida. Ici Jésus-Christ dit, yes, anasema hapa. Cherchez d'abord. Kwanza tafuteni. Avant tout, mbele ya biote, cherchez d'abord tafuteni kwanza mon royaume ufalme wangu et ma justice. Na uwaki wangu. Écoutez bien. Sikieni mzuri. S'il vous plaît, écoutez bien. Si kieni na misi. Il dit, anasema, cherchez d'abord tafuteni kia kwanza, mon royaume ufalme wangu, et ma justice. Na aki yangu. Quand tu acceptes Jésus, wakati unamwamini Yesu, tu entres dans le royaume. Unaingia mufalme. Tu es né dans le royaume. Unazalikwa ndani ya ufalme wa Mungu. Dieu Mungu te déclare anakutangaza juste. Mwenye haki. Quand on dit, wakati quand on parle sur la justification, wakati wanasema juu kuhesabiwa haki, c'est que quand Jésus mourait la croix, nikisema wakati Yesu alikuwa anakufa kumsalaba, il disait, alikuwa anasema, donne-moi ton péché, unipatie dhambi yako, prends ma justice, mimi nikupatie uhaki. C'est pourquoi la Bible dit, kwa sababu Biblia inasema, il n'y a plus de condamnation, hakuna tena hukumu, pour tous ceux qui sont en Christ, eko ndani ya Kristo. Quand Dieu te voit, wakati Mungu anakuangalia, il voit Christ, anamuona Kristo, il te voit en Jésus, anakuona ndani ya Yesu. Il te voit en Jésus. Anakuona ndani ya Yesu. Il dit cherchez d'abord mon royaume. Anasema kia kwanza tafutani ufalme wa Mungu. Et sa justice. Na uwaki wake. Et il dit. Na anasema. Quand tu acceptes Jésus. Wakati unamwamini Yesu. Quand tu crois à la justice. Wakati unaamini kwa uwaki. Quand tu crois. Wakati unaamini. Que la justice ya kwamba uwaki wa Kristo. Et en toi. Iko ndani yako. Dieu dit. Mungu anasema. N'arrête pas là. Na ata. Cherchez maintenant. Tafuteni sasa. Les intérêts. Mafaida. Du royaume. Ya mufalme. Être sauvé, kuokolewa, c'est bien. Ni mzuri. Connaître sa justice, ujua uwaki, c'est bien. Ni kitu kizuri. Mais, lakini, ne t'arrête pas là. Ujimalizie pale. Maintenant, sasa, cherche tafuta les intérêts mafaida du royaume. Ya ufalme. Les intérêts du royaume. Mafaida ya ufalme. Les intérêts du royaume. Mafaida ya ufalme. Les âmes. Na hata ma sauver les âmes. Na kuokoa manafsi. Les âmes. Manafsi. Amène Jésus à quelqu'un. Beaucoup de chrétiens sont sauvés. Ils croient à la justice de Dieu. Et puis ils croisent le bras. Maintenant, ils font des prières de quête. Oh Dieu, résous mon problème. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, paye mes factures. Oh Dieu, mariage. Oh Dieu, les enfants. Non. Ça, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Quand tu es sauvé, wakati unaokolewa, tu connais ton identité. Unajua kitambulisho kiako. Ne t'arrête pas là. Hapana kumalizia pale. Maintenant, cherche tafuta sasa que le royaume de Dieu ufalme wa Mungu avance. Upate kusonga mbele. Fais tout ton possible. Fanya nguvu pour avancer hivi usongeshe le royaume de Dieu ufalme wa Mungu. Que les intérêts du royaume mafaida ya ufalme soit ta priorité. Iwe mambo yako ya kwanza. Écoute ce qu'il dit à la fin. Sikia kenya anasema kumwisho. Et toutes ces choses na hivi vitu vyote vous seront données vita mipewa. Regardez-moi. Unyangalie. Regardez-moi. Unyangalie. Regardez-moi. Unyangalie. Gardez bien la dernière phrase. Na achunga mzuri na uangalie tamko ya mwisho. Et toutes ces choses na hivi vyote vous seront données vita mipewa par-dessus kwa faida. Regardez-moi. Unyangalie. Si on pose la question à chacun de nous que nous avons besoin, tuuliza shibote tuko na mafaida tuko na mahitaji, il y aura des multitudes de besoins. Kutakuwa mahitaji ya mingi. Et vous allez constater. Na utajione. Vous allez constater. Utajione. Que tous ces besoins là, ya kwamba ile mahitaji yote, ça fait partie inakuwa de toutes ces choses. Ya bile bintu biote. Qui doit être donné. Binapasha kupewa. Pour Dieu,
kwa Mungu, quand tu trouves le royaume, et que tu cherches les intérêts du royaume, les restes qui tracassent les gens, les restes qui créent les inquiétudes dans le cœur des gens, les restes qui amènent le trouble, Dieu dit, il te sera donné. Dieu est prêt à te donner les restes. Ton besoin, fait partie du reste. La guérison fait partie du reste. Le travail fait partie du reste. Le mariage fait partie du reste. La protection fait partie du reste. Tous tes besoins, ça fait partie du reste. Et puis si tu trouves mon royaume et tu poursuis mon royaume, le reste là qui inquiète les autres te sera donné. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, au lieu de s'inquiéter du royaume, au lieu de chercher les intérêts du royaume, et ils cherchent les restes, change ta vision. Au lieu de suivre les restes, poursuis la croissance du royaume. Prie pour les âmes. Prie pour qu'une âme soit sauvée. Prie pour que Jésus amène quelqu'un sur ton chemin qui doit être sauvé. Prie pour que l'église croisse. Prie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Prie pour que Dieu bénisse. Quand tu fais ça, allez visiter des malades. Allez visiter ceux qui sont abandonnés. Aidez quelqu'un. Si tu fais ça, tu mets les intérêts du royaume en première position. Les restes des choses qui tracassent des autres, tu n'as pas besoin de te faire des soucis. Tu ne te feras pas de soucis. Dieu va te les donner. Si tu as compris, dites un bon amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne sois pas un sujet de prière. Constamment. Occupe-toi de la croissance du royaume de Dieu. Ce qui cause des maux de tête aux autres. Toi, tu ne prends même pas le temps de prier pour les avoir. Dieu Mungu va les souffler. Yeye atakulete yabio. Oh, je n'entends pas. C'est qui est? Est-ce que là en haut vous me suivez? Cherchez les intérêts. Tafuta mafaida du royaume. Ya ufalme. Et ce qui touche le cœur de Dieu, na yenye kugusa moyo wa Mungu, le salut okovu d'une seule personne, ya mutu tu moja. Le salut okovu d'une âme, ya nafsi moja. Le salut okovu. Beaucoup de personnes sont sauvées, batu bengi bana okole, et ils ne se font même pas de soucis. Na banunguniki hata kutafuta. Tout ce qu'ils ont comme souci, mambo ya bobo, le diable les a convaincus, shetani alisha kubahakikisha, que leur vie n'ira pas loin. Maisha yabo, alors vous le voyez rester toute la journée utamona mchana en train de penser sur sa vie, paka nafikiria ile mambo. Et le diable amène toutes les doutes, shetani anamweka shaka yote, toutes les doutes qui annulent tout ce que le pasteur shaka yote navuta bile biote pastori alisema. Mais la Bible dit, na hata Biblia, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence. La paix de Dieu salama ya Mungu surpasse ta façon de penser. Mawazo yako. Les troubles sont dans les pensées. David est en train de prier. Il dit, mon âme, mon âme, pourquoi es-tu troublé? Espère en Dieu. Il te sauvera. Compte sur lui. C'est dans l'âme. C'est dans notre âme, pas dans l'esprit qui est né de nouveau. C'est dans ton âme, les sièges des pensées, des émotions. C'est là où le doute vient, le point d'interrogation, les soupçons, l'incrédulité, les doutes. On soupçonne les gens. Oh, ma vie ne va pas bien. Ah, tu à cause d'un tel.
C'est dans la pensée. J'ai pensé. Mais faites attention. Parce que le diable peut te tromper dans tes pensées pour susciter des troubles dans ta vie. Tu dois veiller sur tes pensées. Il dit, si tu cherches mon royaume et la croissance, du royaume, tous ceux qui donnent des maux de tête aux gens, moi, Dieu, je vais te les donner. Les amis, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Notre souci, notre souci numéro un, c'est le salut des gens. Notre souci numéro un, c'est d'amener une âme à Jésus. Les restes, les restes, ce qui fait pleurer les autres ne te fera plus pleurer. Il y a d'autres choses qui ne généreront même pas, qui ne prieront pas. Dieu va ordonner que cela te pourchasse. Quand tu gênes, tu vas gêner pour le salut des âmes. Quand tu pries, tu vas prier pour la croissance de l'église. Tu vas prier pour que l'église s'établisse. Il y a beaucoup de personnes à l'église. Ils font que les autres ne viennent pas. Mais lui-même, il est là. Tu vas prier où? Ah non, je vais prier à telle église. Mais ne venez pas. Mais lui-même, il est là. Tu sais, un jour, je priais pour un monsieur. Sa femme priait dans mon église. Alors, je dis, un jour, je croise le monsieur. Monsieur, mais nous, on prie beaucoup pour toi. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Et le monsieur dit, pasteur, je devrais déjà venir depuis longtemps. Mais vis tout ce que ma femme me dit de l'église. Je n'ai pas l'envie de venir là. Tout ce que ma femme dit de l'église, je n'ai pas l'envie de venir. Écoute-moi bien. Ne sois pas un obstacle pour le salut des âmes. Cet homme voulait venir à l'église, mais sa femme amenait leurs incompréhensions avec les gens. À l'homme. Mais si tu n'entends pas avec quelqu'un, où est le problème d'un païen? Où est son problème? Réglez vos problèmes à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller dire qu'un tel ne m'a pas dit bonjour, un tel ne m'a pas salué, un tel ne m'a pas fait un bisou. Attends, est-ce que c'est ça l'évangile? Même dans l'église où Jésus était pasteur, les disciples avaient des problèmes. Un jour, ils voulaient connaître qui était le plus grand. Attends. Le problème de l'église, tu n'as pas besoin de les amener à l'église. Dehors. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'entendre qui est Jésus. Tes mains, ils en ont besoin. Ta bouche, ils en ont besoin. Parle de Jésus. Les incompréhensions avec les gens de l'église ne leur concernent pas. Ils ont besoin de Jésus. Quand tu fais ça, constamment, ce qui fait tracasser les autres, Dieu va les souffler. Les restes là, quand vous entendez les restes là, ça peut être le mariage, ça peut être un miracle financier, ça peut être une promotion.
Ça peut être un voyage. Ça peut être un visa. Ça peut être tout, tout, tout. Ça fait partie du reste. Et Jésus a dit, je te le donne. Toi, faites. Cherche l'intérêt du royaume. Qui a compris quelque chose? Ok, on y va, on y va. Oh! Je sais. Que chacun de vous a un besoin quelconque. Mais je vous le dis que cette semaine ne finira pas. Il y a d'autres, vous allez vivre des miracles, des situations bloquées. Au moment où vous écoutez la parole, est en train de se débloquer. Préparez-vous à des bonnes nouvelles. Je disais, prépare-toi à des bonnes nouvelles. Si tu les crois, dis trois fois amen. C'est assez. Lisez-moi dans 1 Jean 4. Tusomeni Yohane wa kwanza 4:15. 1 Jean 4 verset 15. Yohane wa kwanza 4:15. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Oh hallelujah. Amina. Allez-y, 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 allez-y. Utueke yeyo mbio mbio. Ça va mon ami? Hakuna matata. Mes interprètes, je les booste toujours. Merci. Allez-y, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui fait que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Mungu eko ndani yake. Et lui en Dieu. Na ye eko ndani ya Mungu. Dites un peu. Ah ah. Sema, ah dites ah ah. Sema, Dieu Mungu habite en moi. Eko ndani yangu. Hello. Tuko nasikilizana. C'est aussi simple. La Bible dit que c'est lui qui confesse. Ule anakiri na kinwa kiake. Que Jésus est le Fils de Dieu, mwana wa Mungu. Dieu Mungu, le Père Baba, demeure anaka, en lui ndani yake, et tout lui na yeye ule, en Dieu. Eko ndani ya Mungu. Quel mystère! Ni fumbo gani? Dieu Mungu habite eko naka, en moi. Ndani yangu mi. Dieu Mungu habite anaka, en moi. Ndani yangu. Le Créateur Mumbaji, du ciel wa mbingu, et de la terre, dunia, de l'univers wa ulimwengu, habite eko naka, en moi. Ndani yangu. Et ça, na ile, le diable Shetan va te mentir atakudanganya dans tes pensées. Mawazo yako, et te dira, oh non, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Et si Dieu habite en toi, kama Mungu eko ndani yako, mais pourquoi tu n'as pas de travail? Kwa sababu gani hauna kazi? Et si Dieu habite kama en toi, Mungu eko ndani yako, mais pourquoi tu ne te maries pas? Kwa sababu gani là c'est le diable qui l'a dit. Ni Shetani eko na kuambia. Et si Dieu habite kama en toi, Mungu eko ndani yako, mais pourquoi tu n'as pas l'argent? Kwa sababu gani hauna pesa? Et si Dieu habite kama en toi, eko ndani yako, pourquoi on ne te donne pas la promotion? Kwa sababu gani hakupatia? Et si Dieu habite kama en toi, eko ndani yako, ça, Eki, c'est le diable. Ni Shetani. Est-ce que ça va? Tuko nasikilizana. Si Dieu habite en toi, kama Mungu eko ndani yako, pourquoi ta famille te déteste? Kwa nini jamaa yako si vraiment Dieu habite en kama toi, ni bia kweli Mungu eko ndani yako, cette injustice en ton égard, nini uzalimu eko ndani yako na kuchukia? Le diable, Shetani, il est le chef de toutes les troubles dans le monde. Njo mkubwa mivuruko yote ya mawazo ya Mungu. Quand il est venu voir Adam et Eve dans le jardin, wakati alikuwa kuona Adam na Eva ndani ya bustani, il a dit, alisema, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mwe benye ni bia kweli Mungu njo alisema. Lui, yeye, il est l'expert. Yeye anajua ni fundi. En point d'interrogation. Kuwekea bantu maulizo. Il veut susciter. Anapenda kukuwekea. Des doutes en toi. Shaka ndani yako. Et si tu vas tout le temps à l'église? Na kila siku kama wewe unaendaga kwa kanisa. Mais pourquoi? Kwa sababu. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Tu as ni. N'écoutez jamais ça. Oshimushikie bile ko nasema. C'est un menteur. Ni muongo. Oh. Même ceux qui ne prient pas. Na benye bale abaomba. Même ceux qui ne prient pas. Na bale abaombaki. Ils sont plus mieux que Beko toi. Na maisha mzuri sana kushindia wei. Et ils ne vont pas dans des veillées de prière. Bo abendeke kukesha maombi. Mais toi tout le temps. Lakini wewe njo kazi. Ya jeûne et prière. Huko mafungo na maombi. Mais ne rien ne va. Lakini hauna na. Et là il parle. Pale ko na. Si tu ne fais pas attention. Kama ukebe yangu. Il va semer les doutes. Atakuwekea shaka. Mais quitte à toi de dire stop. Na umwambie achia pale. Stop. Funga kinwa. Stop. Funga kinwa. Il faut apprendre à stopper kumufungisha kinwa
le diable. Shetani. Dis-lui stop. Ne te mêle pas de ma relation avec mon père. Beaucoup de personnes, bantu ba mingi, ils ne savent pas. Abajue. Quand Dieu parle, wakati Mungu anaongea, et quand le diable parle, na wakati Shetani njoko naongea, tout le pourquoi. Tout ce qui t'abaisse, tout ce qui cherche à détruire ta confiance en Dieu, ce n'est pas Dieu qui parle. Tout ce qui te dit, hé, hey, vis ton âge, toi c'est fini. Hein? Est-ce que Dieu est limité par ton âge? Dieu n'est pas limité par ton âge. Dites à la personne à côté de toi, Dieu n'est pas limité par ton âge. Oh, dis-lui bien. Mwambie mzuri. Répétez, Dieu n'est pas limité par. Ana atiliwe mipaka juu ya bwingi ya miaka yako ile uko nayo. Est-ce que ça va? Tuko na sikilizana. Le diable est un menteur. Shetani ni mwongo. Il va amener des points d'exclamation. Ataweko na point d'interrogation. Uko na shangaa kisha uko najiuliza. Est-ce que tu vois ta vie? Unaona maisha yako. Ça fait longtemps que tu pries. Sasa tangu ulianzaka kuomba. Il semble qu'il n'y a rien qui bouge. Lakini hakuna kitu kinaongoka. Est-ce que tu n'es pas réaliste? Wewe mwenyewe uone mambo vile iko. Et si tu n'es pas illuminé? Na kama wewe hauangaziwe. Tu risques de commencer à boucher la. Unahatarika kusema eh ni bia kweli tu njoo vile na mimi mwenyewe mimi naona. Hein? Vraiment. Ni bia kweli. Et tu prends ta main tu fais ça. Na unaweka mkono unaweka na kulichapa mimi wa benye wewe. Sœur Antoinette. Nani wewe? Est-ce que tu viendras à la réunion? Utakuwa kumkusanyika. Ah, hapana. Je suis fatigué. Mimi nachoka. Dieu connaît que je suis ici. Mungu yeye mwenyewe anajua hapa niko. Mensonge du diable. Bongo bwa shetani. Répète avec moi mensonge du diable. Eh manami, bongo bwa shetani. Dites encore mensonge. Eh ma bongo. Alors il revient encore, il change de pôle, il vient. Sasa anakuya anageuka ngambo nyingine. Il te parle. Regarde, tu es belle. Mais aucun homme te regarde. Tu ne vois pas que dans votre famille, il n'y a rien qui va. Toi tu dis, de quelle famille tu pars? Dis-lui, de quelle famille tu pars? Arrête. Stop. Il faut apprendre à arrêter ces sales voix. Ne sois pas victime. Hapana kuangukia mumambo. Ah non, ce matin je suis parti chercher un emploi. Hapana busubui mimi mwenyewe nitembea mtaa ule tangu nianza kutafuta. Ule baribeba mbele. Il n'a même pas le diplôme que j'ai. Yeye mwenyewe akufunza masomo ile nilifunza. Et le diable te dit. Shetani anakuambia. Tu as vu? Shonon. Mais où est Dieu dans tout ça? Sasa ule Mungu mwenyewe unaomba kwa. Tu lui réponds. Unamjibu. Quand une porte est fermée. Wakati mlango mmoja une autre va s'ouvrir. Nyingine itafunguka. On est en train de démasquer les ruses du diable. Les amis, ce qui est en train de bloquer la main de Dieu dans ta vie, c'est ces pensées noires du diable. Dieu veut que tu ailles loin. Anapenda uende mbele. Dieu a mis en toi Mungu des capacités mawezaji que tu ne peux pas comparer. Ile awezi kulinganisha. Il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Mais le diable lakini shetani fait tout anafanya semer des doutes par rapport à ce que Dieu dit. Kulinganishwa na bile Mungu yeye alikwambia. Dieu a-t-il dit? Mungu ni bia kweli alisema. Dieu réellement a-t-il dit? Mungu tu ni bia kweli njoo alisema. Oh, si vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. Alors que la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Mais le diable voulait lui faire croire. Voyez-vous? Ce que l'homme était, le diable vient amener le doute. Il était déjà comme Dieu. Mais il lui dit, non, mange le fruit. Regardez-moi. Le diable travaille dans les points d'interrogation. Il va éveiller en toi des doutes pour que tu dises, ah, mon cas est compliqué.
compliqué. Il n'y a pas de cas compliqué. Bouge ton main comme ça, dites, il n'y a pas de cas compliqué. Dites encore, il n'y a pas de cas compliqué. Je te le déclare au nom de Jésus. Que avant que la semaine termine, que la gloire de Dieu se manifeste. Que ta situation se libère au nom de Jésus. Que ta maladie parte au nom de Jésus. Que son soit débloqué au nom de Jésus. Votre email va te parler au cours de cette semaine. Email yako itaongea na wewe juma hii. Des dossiers qui a été bloqué se débloque maintenant. Mambo ile ikuwezekana ke itafunguka sasa. Maintenant que nous sommes en train de parler. Hapa tuko naongea. Le Saint-Esprit envoie des anges aller libérer des dossiers dans le nom de Jésus. Dans des maisons où il n'y avait pas la paix, la paix entre. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Elle est créatrice. Jo inaumbaka. Maintenant, apa sasa. Elle est en train de créer. Iko naumba. Elle est en train de créer. Iko naumba. Elle est en train de créer. Iko naumba. Ce que l'homme ne peut pas faire. Yele mtu hawezi kufanya. La parole de Dieu est en train de Neno créer. Neno la Mungu iko naumba yo. Frères et sœurs. Banduku na badada. Je suis venu vous dire. Nilikuwa tu kuambia. Je suis venu répéter. Nilikuwa tu kusemulula. Ce que Papa Zakari répète. Bile papa Zakaria je suis venu seulement confirmer que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne sens rien, ne marche pas par les sensations, ne marche pas par les sentiments. Parce que tous les sentis ne font que mentir. Les sentis bile bia kusiki ne fait que mentir. Bina danganyaka sentiment na hata nikusema bia kusikia sikia tu ne vas pas bâtir ta foi auta chenga imani si yako les senti kufuatana na bile unasikiaka na bile biko na danganya. Écoute moi bien, unisikie mzuri. Dieu est à l'œuvre. Mungu yuko natenda. Je disais cette semaine, nilikuwa nasema juma hii, Dieu est à l'œuvre. Mungu yuko natenda dans ta vie. Maisha yako. Notre Dieu est vivant. Mungu wetu yuko hai. Jésus-Christ dit à Jean, je suis Alpha et l'Oméga. Yesu anasema j'étais mort et je suis ressuscité. Jésus Yesu est ressuscité. Ni mwenye kufufuka. On ne peut faire confiance qu'à quelqu'un qui est vivant. Unaweza kutumainia ni paka mtu kama yuko mzima. Jésus Yesu est vivant. Yuko mzima. Ceux qui confessent que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Wale wanakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Dieu habite en eux. Mungu yuko ndani yabo. À partir de maintenant. Kuanzia leo. Quand tu te lèves. Wakati unalamuka. Tire-toi bien de haut. Nafanya tu lamuka. Je suis l'appartement de Dieu. Sema mimi ndio nyumba ya Mungu. Je suis une maison privée de Dieu. Niko nyumba peke yake ya Mungu. La Bible dit. Biblia inasema. C'est de l'abondance du cœur. Remplis ton cœur de ce que Dieu dit. Ouvre ta bouche et déclare-le. Quand je me réveille, quand je vois que mon corps ne fait pas bien, si je vois que mon corps ne va pas bien, je déclare. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là, je bouge mes pieds. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors là, le diable commence à te dire. Cette douleur là que tu sens, est-ce que ce n'est pas de l'arthrose? Je dis non au nom de Jésus. Mon corps n'est pas le temple de l'arthrose. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Disparaît. La Bible dit que cela te soit fait selon la foi. Ya kwamba bitakutendekea kufuatana na imani yako, bikutendekee selon ta foi. Kufuatana na imani yako. Tu regardes ton congélateur. Na kama unaangalia mu congélateur. Il n'y a rien à manger. Hamna chakula. Tu lèves les mains. Tu déclares. Tangaza. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Nitapungukiwa na kitu. Et puis tu commences à siffler. Na kisha unaanza kupika na firimbi. Siffle.
unapika filimbi. Tu loues le Seigneur. Unamsifu Bwana. Tu dis, ah Seigneur. Na unasema Bwana. Tu vas te débrouiller. Wewe mwenyewe utafanya kile utakwenda. Accomplis ta parole. Oh, utatimiza sauti yako. Et le diable te dit, mais tu es fou. Shetani anakuambia si wako sana majimu wewe. Tu es devenu fou là. Unakuwa na majimu. Mais le pasteur Zacharie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu deviens fou. Pasteur Zacharie, ni bitu gani alikuambia majimu na kubamba. Sois réaliste. Shuone mufrigo amuna. Il n'y a rien dans ton frigo. Angalia mzuri, amuna kintu humu. Mais réfléchis. Si ufikiri. Stop. Sema funga kino. Stop. Funga kino. L'Éternel est mon berger. Wa milele ni Bwana wangu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mwengu na dunia. Est mon berger. Ndio mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitapungukiwa na kitu. Regardez-moi, regardez-moi. Uniangalie. Regardez-moi. Uniangalie. Je ne suis pas un prédicateur seulement. Shina tu mhubiri. Je suis un enfant de Dieu. Niko mtoto wa Mungu. Je vis la parole. Niko naishi neno. Un jour, siku moja, j'arrive à la banque. Nafika ku benki. Je vais acheter, nous voulons acheter un bâtiment. Tulitafuta kuuza nyumba. Et comme je suis noir, wakati nafika, le banquier me dit, mkubwa wa banki ananiambia, est-ce que vous avez 5 millions? Muko na 5 millions? Je dis, de quoi tu parles? Monsieur, Bwana, est-ce que vous avez les millions? Muko na mamilioni. Vous voyez que ça coûte cher. Shonone ko na bei kali. Ça coûte cher. Iko na bei kali. Aucune banque ni bank ne pourra vous donner ce crédit. Itamipache ile franga je. Je l'ai regardé. Nilikuwa na muangalia. Il dit, il ne me connaît pas. Mimi nasema huyu Bwana anifahamu. Il ne me connaît pas. Anifahamu huyu Bwana. Je suis niko un esprit. Miko ro. Je suis un esprit. Mimi niko ro. J'habite dans un appartement qu'on appelle le corps. Niko mukinyumba kinaitwa mwili. Mon esprit roho yangu est à l'image de Dieu. Inafanana na Mungu. Je suis un enfant de Dieu. Niko mtoto wa Mungu. Toute la richesse mali yote. Toute la richesse mali yote appartient à mon père. Ya baba yangu. Je dis, monsieur, nasema Bwana. De quoi tu parles? Uko nasema mambo. Monsieur, montrez-moi vos comptes. Est-ce que vous avez l'argent? Niambia ku benki kwenye mko na fedha. Voyez, unaona? Il y a une image qu'on donne aux gens. Kuna mfano ile banapatiaka bana. Mon ami, faites attention à l'image qu'on peut te donner. Les gens peuvent te catégoriser pour l'échec. Ah, lui il peut arriver là. Mais toi tu ne peux pas arriver là. Tu dois refuser. Tu dis je veux arriver. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Joy imani. C'est ça la foi. Joy imani. Faut parfois être têtu dans la foi. Lève-toi. Et sois éclairé. Na uangaziwe. Brille. Angala. Parce que tu es une étoile. Brille. Angaza. Laisse ton histoire. Acha mambo ya. Brille. Angala. Lève-toi. Si mama. Brille. Na angaza. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Déclare. Inakuangazia. Quand la parole de Dieu arrive. Wakati neno la Mungu change. Inabadilisha. Les ténèbres dans la tête. Giza ya mukichwa. La lumière. Inakuwa mwangaza. Tes yeux s'ouvrent. Tu commences à déclarer. Anza kutangaza. Possibilité. Possibilité. Oh, je vois des entreprises s'ouvrir ici. Naona makampuni hapa ya mingi nafunguka. Je dis, mina sema. Et je le répète. Mina sema tena. Je vois des entreprises. Naona makampuni ici là. Hapa hapa. Vos noms vont sortir dans un Afrique. Manjina yenu bataita ya mugazeti ya Afrika. Oh non, je le déclare. Mina tangaza. Je suis un prophète. Niko nabii. Je le crois. Mina amini. Et je le déclare. Mina tangaza. Et ça va t'arriver. Si tu le crois, dites un bon amen. Ajoute encore un amen et je continue. Ongeza tena amina bitiminike. Oh non, cela n'arrive qu'aux autres. Ah, ile ni paka bia bengine. Et toi qui es-tu? Sasa uko nani? Oh non, ça n'arrive qu'aux autres. Ah, il est pas bien, il et toi, tu es qui? La Bible dit que Dieu bénit le travail de tes mains. Lève les deux mains comme ça. Dites merci, Seigneur. Tout ce que je toucherai est béni. Au nom de Jésus. Poussez des cris de joie, s'il vous plaît. Jesus name. Anto korobosan. Amen. 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 Amina. Je disais amen. Amina.
Tous ceux qui confessent Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, Dieu habite en eux. Dieu n'habite pas en toi pour avoir des vacances. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu est en action. Dieu n'est pas en vacances dans ta vie. Dieu est en action. Je disais, Dieu est en action. Je disais, Dieu est en action dans ta vie. Papa l'avait dit. Baba disema, mon église s'appelle Christ en action. Jésus-Christ en action. Yesu Christo mutendo. Toi. Weye. Tu dois être en action. Unapasha kutenda. Jésus est en action. Yesu yuko mukutenda. C'est pourquoi Fofi est en action. Nami Emmanuel niko natenda. Il doit être en action. Anapasha kutenda maisha yako. Le temps est arrivé. Wakati nene. Où Dieu doit être en action. Ule Mungu anapasha kuwa iko na. Laissez-lui mouvoir. Sasa umwache. Ne l'arrêtez pas par tes pensées. Ne le bloquez pas par tes raisonnements. Lève-toi. Efforce par la foi. Faites un pas. Nafanya hatua. Quelqu'un qui veut avancer. Ule mtu anapenda kusonga mbele. Quelqu'un qui veut aller de l'avant. Ule mtu anapenda kusonga mbele. Il fait d'abord un pas. Anafanya hatua ya kwanza. Il ne peut pas rester debout. Hawezi kubakia. Et vouloir avancer. Na kutafuta kwenda. Tu dois commencer par faire un pas. Unapasha kwanza kufanya hatua ya kwanza. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Mtu mmoja aseme asante. Répète avec moi merci Jésus. Merci Jésus. J'avance. J'avance. Dites 2020. 2020, c'est l'année de l'avancement. C'est l'année de l'avancement. Dites avec moi, avant que 2019 termine, j'avance. Je vais récupérer tout de 2019. Tout ce que Dieu a planifié pour 2019, je le récupère avant la fin décembre. Ah, récupérer. Au nom de Katika china ya nani? Jesus.